l'initiative de ce projet, puisque notre métier, c'est de rendre les infrastructures intelligentes. Donc on avait une vraie préoccupation et une vraie problématique pour nos salariés de rendre accessible notre siège régional. On est situé à 1,2 km du terminus de l'arrêt public du tramway T3. Et quand il pleut, c'est un peu loin. Donc c'est une facilité supplémentaire. Gagner 15 minutes sur un trajet domicile-travail, c'est important, c'est significatif. C'est une navette, on a une dizaine de places. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir assurer le transport de manière plus fine sur des zones où on dépose quelques personnes. Et du coup, de gérer ce dernier kilomètre, d'avoir ce maillage fin et à terme, de pouvoir le coupler avec ce qu'on appelle le transport à la demande. C'est-à-dire de le déclencher quand on en a besoin, quand il y a un usager qui se présente. Et donc, toutes ces expérimentations permettent de pousser plus loin et de répondre à des nouveaux usages en fait en matière de mobilité. Pour nous, c'est le sens de l'histoire. On voit les mouvements sociaux aujourd'hui. Cette problématique du transport et de la mobilité, le coût pour se rendre à son lieu de travail et le véhicule autonome, c'est une solution tout à fait pertinente et complémentaire d'ailleurs aux autres moyens de transport, public ou privé. Depuis 3 semaines, on a eu 300 passagers transportés. Et on a surtout une communauté au jour d'aujourd'hui de 200 testeurs. On a un site internet, une page Facebook, on encourage tous les testeurs à s'inscrire. Alors ça fait aussi partie d'expérimentation. Quand vous montez à bord de cette navette, vous devez être enregistré. Est-ce que les ministères ont besoin de capter toute cette information lors des expérimentations pour faire évoluer les réglementations? Aujourd'hui, on a constitué une communauté de testeurs voyageurs. Si demain on arrivait à capter quotidiennement quasiment 10% des salariés, ça nous amène quand même sur un objectif annuel de personnes transportées au-delà des 30 000. L'objectif, c'est de démontrer l'intérêt de ce type de service de mobilité pour les salariés. On aura un retour sur la durée de 2 ans, ce qui va être tout à fait intéressant pour une donnée qui sera publique, bien entendu.